Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc le FC Séville contre Manchester United. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. On va voir ce que nous réserve ce match. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Moi, je vais suivre Romelu Lukaku. Rapide, puissant, il a tous les atouts d'un très grand attaquant. Et puis, quelle frappe ! Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Oh, la frappe ! Oh, Sergio Rico ! Super arrêt ! Anega, Zonzi, Luis Muriel, Canso, Luis Muriel va avoir besoin de soutien là. Martial, Manchester United qui cherche l'ouverture. Matic, la passe en retrait vers son défenseur. Pogba. Alors, que va-t-il faire ? Il va au duel. Luis Muriel, ça peut être extrêmement dangereux. Matic qui récupère ce ballon. Pogba qui veut se... Attention ! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Valencia. Oh, voici Alexis Sanchez. Zonzi. Sarabia. Zonzi. C'est joué long vers le poteau de corner. Le ballon sort en touche. Il décide d'allonger le jeu. Zonzi. Et c'est directement récupéré. C'est osé. La longue ouverture sur l'aile. Alexis Sanchez reçoit le ballon. Pogba. Ce ballon bien dosé. Oh, il faut... Attention, la frappe! Ce sera le premier corner du match. Quelle détente ! Le but pour Manchester United ! Il était bien tiré ce corner et le timing parfait.
Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça vous donne un but. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Pogba qui cherche une solution. Joli tacle. Pogba! Ah, il a failli en profiter. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser... Il peut y aller. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Manchester United qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. La seconde période a donc déjà débuté. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. La passe dans la profondeur. Il a mal dosé son geste, dommage. Ça manque un peu de solution. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Martial, Valencia qui cherche la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. La passe est précise. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Kanso, Lukaku qui récupère le ballon. Il était temps. Il choisit la profondeur. La frappe! Ouverture lumineuse. Ganso qui choisit le côté gauche. Repiqué dans l'axe peut-être. Pogba qui subit un marquage très serré. C'est pas étonnant vous ce qu'il a déjà fait. Manchester United qui essaye de construire. Il récupère le ballon. Il était disponible à sa droite, il aurait très bien... La frappe! Oh, Sergio Rico, superbe arrêt. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt, fine save. Est-ce qu'on peut assister à un deuxième but sur corner après celui de l'ouverture du score? Oh, le coup de tête! Il est sur le côté. Oh, quel geste! Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Bien joué ce tacle. C'est joué long. Ça peut partir en contre. Il enchaîne les dribbles. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien joué ça. C'est le moment de centrer. Va-t-il en aller jusqu'au bout? Et il est renvoyé par le poteau. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il y a donc... Oh, la frappe! Ça manque un peu de solution. Dans la profondeur, un autre tir. Quelle intervention du gardien! Coup de sifflet, hors jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. On attendait un arrêt de jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Jolie passe lobée. Vasquez. Et ce ballon vers ses attaquants. La frappe, attention!
Ils étaient tout près de revenir au score. Et ça prouve qu'il est humain. Il s'est laissé emporter. Il est lancé vers le poteau de corner. Il la remet. Le bon tacle. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Il s'est récupéré facilement. Il est bien placé. Il allonge. Il est à distance de tir. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt.